Alexandrie, je vais à Alexandrie là. On est bien là-bas quand même, moi je suis bien là. Je suis à plus 4 en... Alexandrie. Ah oui, Alexandrie, ouais. Ouais, non, t'es bien dans cette région, Ah je bah. regardais là l'autre fois là. Allez, niveau ordre public, elle est bien. Niveau hygiène publique, elle est bien. Ah T'as ouais, l'État putain, qui est en c'est... sud, je crois. Ouais. Non, j'ai les Bon, gassanides bah, c'est maintenant. à toi. Ouais, ton sud, il est sécurisé quasiment. Ok, à toi. Syracuse, je vais avoir des rébellions, putain. Rogue Tome Combattant, ben oui, vas-y. Tuberculose, putain, Viminacium. Tuberculose, Amediolanum. Rébellion en Salaud, quoi. Bétique, en Grande-Grèce, en Ligurie. La Concile violence. de Ah non, mais... Carthage, un rassemblement historique d'ecclésiastiques se tient afin de s'accorder sur les listes officielles canoniques des. Ok, qu'est-ce qui se passe du coup? Oh, c'est cool, j'ai de l'influence chrétienne à Laos pendant 3 tours, très bien. Bon, du coup, ici, on va faire ça. Pour ouais. Un régulièrement, on va faire de la bouffe parce qu'on n'est pas très bien. Dans le cas, je suis bien. Ici, si... deux tours pour me refaire le terrain d'infanterie, quoi. Là, je reviens pas. Ok. Les tirailleurs, je vais arrêter de les recruter. Ça me permet de faire bouger cette armée, parce que là, ça pue pour À l'Italie. votre service. Faut surtout pas qu'ils me prennent ma capitale. Putain, j'ai pas d'hygiène Nous publique avons ici. faim de bataille. À Tac, votre toi, service. je vais te mettre en marche forcée. Plus vite, bande de larves. Non. On va plutôt recruter des La tirailleurs ville comme je voulais. d'Italia, c'est la mer. Mais il y a Ok, tuberculose à c'est Rome. bien. Ouais, dans toute la région, il y a de la tuberculose. Ah vache. Ça, c'est la merde. Alors, cette armée. Putain, les Suèves, ils sont pas à portée, c'est con. Bon, on va Pas aller loin à là. Lugdunum. Nous avons faim de Non, je suis bataille. pas loin, mais si tu cliques sur mon armée là, Mediolanum. tu vas voir le. C'est ça? Ouais, non, mais après, clique sur Verona et tu regardes la garnison. C'est pour ça qu'il m'attaque pas. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça? Elle est garde, 5 du à coup? Verona. Bah, je pense que bah, ils ont quand même pas non plus des. Voilà, ils Regarde sont en déjà leur full stack unité là. de Ils sont lanciers 17, quoi. Sarmat, elle est. Ouais, mais elle est déjà amochée. S'il faut, le reste est un peu amoché aussi. Vois juste qu'il y a 17 stacks. Mais ça me dérangerait pas qu'ils m'attaquent. Hein. On va leur faire assez de pertes pour que l'armée qui arrive derrière les défense assez facilement. Non, mais elle a pas le mouvement pour J'ai un l'attraper. général. Je sais pas. Attends, je vais même pas regarder. Non, je crois Du coup, pas. si t'attaques par derrière, la garnison va sortir et eux, comme ils sont en train de piller, Non, ils j'ai vont être pas. tous fatigués en fait. J'ai pas le mouvement, j'arrive là, Maxi. Merde, d'accord, ok. Regarde, clique sur mon armée, tu vas voir une zone rouge là autour. Qu'elle T'es va vraiment pas jusqu'à loin, quoi mais je peux pas. à Culena là. Ça me l'a fait aller jusque-là. Je vois le truc rouge jusque-là. La sienne, oui, mais si tu cliques sur la mienne, moi je peux pas aller jusqu'à lui. Attends, c'est lui? Tu vois ce Bah, que ça me met je veux pareil. dire? Alors, je sais pas si c'est un bug, hein, mais ça me fait. Voilà, je vais te montrer la zone que ça me montre. En bleu. Pour mon armée, ça? Non, c'est ce Non, qui ça est va en pas du tout pris en surlignance compte. rouge. À votre service. Avec mon armée, parce que moi, avec mon armée, j'ai ça. Exactement. Ouais, le vieux bug des familles. Je pense qu'il a pas pris en compte le. J'ai ça, voilà. Hop. Il a pas pris en compte mon mouvement là que je viens de faire. Et oui, bah c'est ça alors. Je savais pas que t'avais bougé avec. Déjà. Ouais, si. Du coup, par contre, là, ça pue. Je sais pas quoi faire avec mon armée là.
Toi, t'as gagné un rang, où est-ce que je vais t'envoyer? Il y a des agents dans ce jeu? Je savais pas. J'avais jamais eu. Ouais, si, si, il y a des agents, c'est juste que... On n'arrive jamais à... on fait pas la chaîne de bâtiments qu'il faudrait. Par contre, on va pouvoir prendre Fleewoom. Ouais. Et par contre, faudra les défendre derrière. Préparation du siège de la colonie. Prenons cette colonie. Ouais, allez, on va leur prendre Fleewoom. C'est bon ça. Les Saxons, je pense pas qu'ils vont venir m'attaquer parce qu'ils ont de l'autre côté les Burgondes au nord là, qui au nord-est là, qui vont arriver. Venu le jour. Un truc du genre là. Votre territoire. Qui l'aurait cru dans cette game. Mais ouais, non, mais le script de la de la campagne en multi, il est vraiment différent de la campagne solo, parce qu'il y a plein de trucs qui se passent tout le temps pareil hein, sur la campagne solo, et là c'est limite des fois l'inverse qui se produit. J'adore les citations qu'ils mettent pendant les temps de chargement. C'est clair. Oh, c'est... Ah, on a nos nagres en plus, on a nos nagres, on va pouvoir leur couler les bateaux. Tu veux t'amuser avec le nagre? Parce que là, ils ont leur bateau qui arrive. Ils kiffent pas ça. Tu préfères quoi, l'armée ou... Hein? Fais-moi ce que... Fais ta stratégie, tu me donnes ce que t'as... Bah, je te donne ce qu'on gère le mieux chacun, je pense. Quoique, peut-être je vais garder les tirailleurs, je sais pas. Ah, ça roule, vas-y. Non, non, mais je me dis que tu vas te concentrer sur l'onagre, non? Tu vas pas réussir à... L'onagre, de toute façon... Je vais le mettre comme ça je peux tirer sur la ville et sur les bateaux là qui arrivent. Là, c'est bien, hein? Ouais, ouais, voilà. Pas con. Dans un bois. Et on a une armée de renforts qui arrive derrière, j'ai oublié. Ouais, allez, c'est bon. Et du coup, il va falloir dispatcher l'armée de renforts. Je sais pas où tu vas, mais fais gaffe parce que regarde où ils accostent là. Comment ça? Une tonne de bateaux qui accostent, je sais pas où là. Bah, j'essaie de prendre la ville en fait. Comme ça, après, on défend la ville, tu vois. C'est plus facile, je pense. Bon, hop, je viens avec toi. Hop, je pars là. Non? Non, non, mais vas-y, c'est de leur sécher les bateaux, mais. Non, de toute façon, je pourrais pas partir en courant avec, hein. Y'en a un qui bouge pas, ils ont des haches en plus. Ouais, non, je pense qu'ils vont tous accoster au port. A mon avis, c'est ça. Et du coup, comme il n'y a que deux ou trois bateaux qui peuvent y aller en même temps, les autres ils tournent en rond en attendant. Elle est où la garnison? L'autre armée, putain, elle est loin. Oh, il y a le général à gauche là. Il tourne en rond. Ah ouais. Je vais sécher l'onagre. Et sinon, ce que tu fais, tu t'envoies des tirs enflammés sur la colonie et ils vont avoir un malus horrible comme on a eu juste avant là. Oh, tu me tires dessus? Bah non, carrément pas. Mais c'est eux par contre, ils ont. J'ai un onagre qui m'a tiré dessus. Ils en ont un? Ouais, sur l'eau. Je leur ai balancé mal là, je les ai mis mal là. J'avais même pas vu qu'ils avaient un onagre. Ah ouais? Oh les cons. C'est chaud à viser, les bateaux. Elle est petite la cible. Touché 2-3 fois déjà. Il est dans le mal, l'absolu. Ah ouais.
Boum. Ah non, côté merde. D'abord, putain, vache. Tu vises avec un cerf là ? La sphère. De quoi ? Bon, j'ai bourriné sur une seule unité, ouais, ça passe. Je sais pas pourquoi ils accostent pas. Oh, joli tir. 88 normal. De dégâts de feu. Si lui il touche, il est mort. Il touchera pas, mais. Bon, j'ai séché la première unité de corps à corps. Oh non! Il y a eu une désynchronisation dans la session. Fermeture en cours, pourquoi? Putain. C'est une blague. Et le jeu continue, hein. J'entends la bataille qui continue, je la vois. C'est une blague, putain, ça va quitter encore. Tu peux jouer encore, toi? Je sais même pas quelle heure il est. T'as entendu là qu'il y a eu une désynchronisation? Ah ouais, je sais, je me suis fait éjecter du game. Ah, tu t'es fait... Putain, je t'attendais, je crois que tu peux jouer encore. Oh non, non, il y avait marqué hôte machin. Putain, reprendre en tant qu'hôte. Tour 9, 22h25. Ah, il est 22h36, je pense que c'est juste avant la bataille. C'est ça. Bah, c'est à ton tour en fait. Ouais. C'est toi qui as attaqué. Donc logiquement, on va commencer la première bataille du tour. C'était la première bataille du tour, c'est cool ça. Pour le coup, c'est bien tombé. C'est pas trop mal tombé en tout cas. Tu sais ce qu'on. Et je vais faire des sauvegardes avant chaque bataille, je crois. Et après chaque bataille. Ça va éviter les. Il faut sauvegarder à tour de bras là. Ah ouais, non, mais c'est abusé quand même, non? J'ai jamais trop joué en multi, je t'avoue. Mais là, je trouve que c'est abusé quoi. Chaque je session me rappelle d'enregistrement, on se fait avoir un. Son premier Warhammer, tu sais, Total Warhammer, le premier, hein, c'était la misère. Ah ouais. Réussi à le stabiliser. Hein. Et là, c'est vrai que c'est récurrent quand même. Ouais, bah ouais. Putain, du coup, faut que je refasse tous mes bâtiments, que je rebouche toutes mes armées. J'ai fait quoi? C'est un plus que j'ai fait. Ah oui, si, il fallait de la bouffe. Je vais faire de la bouffe, on verra bien. Ah, parce qu'ils m'ont détruit Malaka, c'est pour ça. Ah, mais c'est ton tour à toi, non? Au début de ton tour à toi. Je peux pas construire, ouais, c'est ça, c'est ton tour. Non, c'est la fin de mon tour. Mais non, là, c'est le tour des mots sauvages avec l'Empire romain d'Orient. Je peux pas construire, je peux rien faire. Hop. Et toutes mes rébellions, voilà, c'est ça. À quoi 6-6 tiré, c'est quoi? C'est pas. C'est pas Aix, non? Aix ou Marseille, un truc du style? À quoi 6 tiré, je crois que c'est Aix. Hein. Ouais, t'as sûrement raison, ouais. Et les termes là-bas, enfin, ouais. Quand j'étais minot, j'avais les termes, on appelait cette ville, c'était à quoi 6 tiré, c'est trop bon. Par contre, y a Narbo, c'est Narbonne? Ouais, Vesoncio, c'est Besançon. Pas. Ouais. Après, je sais plus, attends, je vais regarder. Ouais, après, bah, Vienna, c'est Vienne. Ouais. Avaricum, j'ai su, mais je me souviens plus. Turonum, je crois que c'est Tours. Burdigala, Bordeaux. Elusa, je sais pas du tout.
Donc Todorum, c'est en Suisse, j'imagine. Il y a le lac Léman à côté, mais je sais pas ce que c'est. Colonia Agrippina, c'est Cologne. Ça, je le sais. Après, quand tu vas derrière, juste derrière les Pyrénées, t'as Pampaléo, c'est Pampelone, quoi. C'est une ville en Espagne. Pamplune. Pamplune, voilà. Et ils mettent des petites villes, mais t'as pas les, tu sais, comme quoi c'était peut-être pas la même. Et oui, parce que Aqua Sixtae, je suis con, c'est une cité romaine à la base. Aix-en-Provence, c'était une cité romaine. Ouais, mais ils avaient, oui. Mais les Romains, là, même avant, en 200 ou quoi, un truc du genre avant Jésus-Christ, ils avaient jusqu'à Narbonne. De Gênes à Narbonne, c'était romain. Et au-dessus, c'était Celte. On a l'impression, parce que comme maintenant, la ville de Marseille, elle est vachement plus grande. Ça se trouve, à l'époque, elle était beaucoup plus grande. Aix était beaucoup plus grand que Marseille. Genre, c'est-à-dire une petite colonie. Moi, je suis pas certain, parce que c'était déjà un énorme port, Marseille. C'était les Grecs qui s'étaient installés là. Ça? Voilà, j'avais cette armée à bouger. Est-ce que je peux lui recruter? Ah ouais, encore une cave de plus, ça c'est bon. Parce qu'en fait la cave mercenaire elle est meilleure que la cave romaine. Ouais, c'est ce que je me suis rendu compte. J'ai engagé des germaniques, moi. Et ils sont balèzes à côté, quoi. Ils coûtent moins cher. Coûtent moins cher. C'est Kites, là, ou Equit, c'est vraiment des éclaireurs, quoi. C'est vraiment pas de la cavalerie pour se battre. Ah quoi, oui, ouais, mais sauf qu'ils ont que ça, en fait. Bon, voilà, il me reste 1000. Qu'est-ce que je vais en faire, t'es 1000, on va peut-être prendre les mercenaires chez lui. Ah non, il n'y a pas de mercenaires dispo, merde. Et je vais sauvegarder avant de en attaquer. Ah ouais. Juste le faire traverser. Prédator et tout, tu sais. De l'autre côté. C'est tout. Les prédateurs, les cavaliers prédatoriens. Les mercenaires de ce côté. Je sais pas du tout s'il y en a. Oh, on peut prendre un onagre encore, bim, un onagre de plus. Ah, je vais pas avoir cette thune. Et des chasseurs germaniques, voilà, c'est ce qui manquait, on engage, boum. Allez, on sauvegarde. Sauvegarder, oui. Sauvegarde automatique, voilà. Sauvegarde réussie, c'est bon. On n'aura plus à refaire tout ça. Allez, boum. Et là, ça va pas être la même. Ah voilà, c'est la violence. Ici mercenaire est marqué. Attention, c'est pas pareil. Il a écrit quoi? Balistier mercenaire. Sur la deuxième que t'as pris. L'un il s'appelle Onagre et l'autre c'est Balé. Ah oui, c'est pas le même icône en plus. Les Balistari. Balistari ou Balé, ouais. Nous allons couler cette flotte maléfique. Hop, alors attends. Bon, là c'est un temps pourri, mais de chez pourri là. Ah ouais. Pourquoi je peux pas choisir le temps? On assiège. C'est pas faux. <C'est>... Alors attends. C'est pas là. Je te file ça, et puis quand t'en as fini avec ça, je te filerai d'autres troupes. Bon, quoi, je peux te filer ça aussi en fait. T'as un archer de plus, du coup. Tac. Ouais. Il y a encore l'autre armée qui arrive. Tac. La cave, je vais la mettre par là. Voilà. T'es prêt à accueillir les bateaux? Je suis chaud là. Boum, c'est parti. Nos ennemis doivent se battre jusqu'à leur dernier souffle, sans quoi le Seigneur aura tout fait de les oublier. Qui sait? Peut-être qu'un jour un poète en proie. Nos renforts prennent part au combat.
plus. Oh là là. Oh, comme ils ont pris cher. Ah, avec le pluie, avec la pluie, les dégâts de feu diminuent. L'ennemi perd du terrain. Ouais, trop bon quoi. Général. On sent, ils sont en train de couler. Ils sont pas bien. En plus, t'en vises deux quoi. C'est... La baston, hein, mais. Ouais, bah direct, j'engage les. Putain, tu te fais tirer dessus par l'onagre. Hein. Par ton onagre. Je sais. Yes. Non, c'est bien aussi. Hein. Ouais. Ah. Au général, il manque un tir qui touche, il est mort. Oh oui. Ah putain, juste à côté. Le deuxième. Et ça y est, il est mort. Plus de général. Ils l'ont coulé ? Ouais, ouais. Ouch, putain, on a été touché. Mais il est juste il est pas à portée, mais de rien, quoi. Ah ouais, je vois. Et par contre, lui, il est à portée, ce connard. Bouge pas, toi, c'est toi qui es près de la côte. Et sinon, on recule tes balistes, hein, il va s'avancer. Et tu vas pouvoir canarder aussi. Hein. Mince. Pourquoi je les ai désengagés, je suis con. Ah, ils ont une barricade, c'est con, je l'ai pas vu. Bon, on va prendre la place. Je leur ai fait un accueil chaleureux. Je vois ça. Fais gaffe, t'as une unité qui t'arrive dans le dos là. Sur les tirailleurs. Ça y est, ils accostent. Bon, je vais accueillir. C'est parti. Général. Au pas de course. En cadence. C'est rien, c'est la cavalerie et elle se mange les flèches. Des tours. La colonie. Elle met du temps à arriver à la garnison. Enfin, à la deuxième armée. Oh putain, ils sont 67, le général il meurt quoi. Il faut qu'il soit deux pour qu'il meure. Mais c'est les hacheurs qui font trop mal à chaque fois quoi.
Ouh, tu tires, c'est con. Tu me tires dessus. Pourquoi vous tirez là? Pourquoi vous tirez là? Oh, il y a eu un joli tir là. Ouais, la garnison, il serait temps d'arriver, hein, si vous êtes bien amoché. Putain, mais vous courez là? On leur fait trop pas de dégâts, c'est un truc de fou. Les belles, ça, les belles, les belles! Voilà! Ouais. Ça les a mis en rouge direct. Par contre, ils vont flancher mes mecs. Mais tire ailleurs! Avec leur set d'attaque en mêlée. Ça pue! Hurray pour l'Empire! Jouez pas au con! Oh putain, derrière nous! Ah merde, je les ai pas vus. Enfin, je les ai. Si, je les ai vus, mais j'ai. Enfin, je les ai vus sans les voir, quoi. Ah, leur. Leur hachard, il recule, c'est bon ça. Si tu peux les choper. La fin de la. Ne tire pas là, toi. La rébellion. Putain, t'en as un paquet des munitions. Ah, t'as une baliste qui a plus de munitions par contre. Je prends l'équipage. D'attaquer, je vais essayer de flanquer avec eux. J'ai pas le choix, il y a plus que ça. Hop, les piquets germaniques immortels. Là dans l'arrière, équipage de catapultes et archers qui sont en train de mettre la misère à des bretteurs. Ils sont en train de souffrir. Putain, t'as enflammé la colonie, je crois. Elle est en train de s'enflammer. Ah là, ouais, j'ai déchaîné les enfers, comme dirait l'autre. C'est beau, il est beau. Qui me touche, ah, alors putain, il était beau. Alors que je suis pas à portée. Je sais pas comment ils tiennent les mecs, hein. Ils sont 12 par stack. Oh, ils sont en carafe là. Les archers reviennent. Et de Veracruz. Attends, il y a eux aussi qui sont. Il y a leur putain de hacheur qui arrive. Cette. Je rapatrie les hacheurs sur un. Oh, ça va. Toi derrière là qui fait rien. De quoi? T'as tout un stack de mecs là derrière toi qui fait rien. Putain, merde, je les ai oubliés. C'est la moitié de notre armée. Je vais mettre là. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte! Toi là. Peut-être pas, y'a les renforts qui arrivent. Ils ont mis tellement de temps. J'ai oublié quoi. Allez. Et des deux poignées de. Tortue défensive. Le fou furieux qui arrive à. Mais c'est un général en plus, donc il a du. C'est quoi? Reconnaissance, ralliement, cool. Lui, regardez les catapultes. Ils ont vu les balistères arriver. Ils sont fuis. Ils ont parti direct pour chasser ces pourceaux. Regarde, c'est grâce à eux qu'on a gagné. Regarde, ils sont tous fuis. Il reste que les hacheurs, regarde. Putain, c'était cette bataille épique pour la dernière ville des Francs, quoi. Pour aller remercier. Oh putain.
J'espère que tu as la charge des mecs de catapulte, là, des servants de catapulte qui ont fait fuir 3 stacks quoi, ou 4 stacks. Mais je l'ai eu quand t'as commencé à gueuler en fait, j'ai regardé. C'était un peu tard.